Jean-Marc, Oui. on peut sentir une contraction corporelle et se figer sur cette contraction. Et en fait, cette contraction, on a le sentiment que c'est, comment dire, oui? Faut traduire en même temps, vous demandez à Pardon. Sandra de traduire. Oui. Podemos sentir una contracción corporal y al mismo tiempo. Et le fait de se figer sur cette contraction El hecho de fijarnos en esta contracción. peut être vécu comme une réaction à la perception. Puede ser vivido como, es vivido como una reacción a la percepción. Et lorsque cette contraction se dissipe, Cuando esta contracción se disipa. on peut avoir l'impression que cette expansion peut être le regard. Podemos tener la impresión que esta expansión es la mirada. Mais voyez bien que cette expansion, vous en êtes le témoin. Sí, pero fíjate bien que de esta expansión eres el testigo, Puisque vous pouvez en parler. porque puedes hablar de ello. Si vous pouvez en parler, Puedes hablar de ello. c'est que vous en êtes le témoin. Es que eres el testigo. Et la question naturelle se pose, Pero la pregunta natural se pone. qui est le témoin? ¿Quién es el testigo? À l'instant de la perception, En el instante de la percepción, le regard et la perception sont un. la mirada y la percepción son uno. Comme pour le miroir, Como para el espejo, le miroir et le reflet qui apparaît en lui el espejo y el reflejo que aparece en él sont un. son uno.